Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une emboîture sur un tube cuivre. Pour ce faire, nous avons besoin donc de l'ébavureur qui se trouve à l'arrière du coupe-tube, ou sinon nous prendrons le tonneau qui sert également à ébavurer l'intérieur et l'extérieur du tube cuivre. Nous aurons également besoin d'une pince à emboîture, donc avec sa pince, et avec les têtes d'emboîture qui vont du diamètre 12, 14, 16, 18 et 22. Correspondant aux différents diamètres de tubes où on désire réaliser l'emboîture. Nous utiliserons le diamètre 14, mais dans un premier temps, nous allons réaliser donc l'ébavurage. Alors l'ébavurage consiste à enlever les dépôts qui sont dus à la coupe du tube. Donc pour ce faire, on fait comme ceci, on voit bien les dépôts qui tombent, c'est l'ébavurage. On voit par la suite qu'il n'y a plus de dépôts. Alors maintenant que notre tube est pratiquement prêt, pourquoi pratiquement? Parce que nous ne pouvons pas mettre la tête diamètre 14 dans un tube qui est finalement qui est pas recuit. Pourquoi? Parce que sinon on risque de casser une des six parties de la tête d'emboîture qui occasionnera finalement sa perte et donc une recommande de cet outil. Donc pour éviter d'en arriver là, ce qu'on va faire, on va recuire la partie où on aura l'emboîture. Pour la recuire, il faut que j'arrive à une couleur apparentée à du rouge cerise. Il ne faut pas que j'arrive à une partie blanche, une couleur blanche, sinon je risque de percer. Donc là, je suis bien à une couleur rouge cerise. J'arrête. Et je vais donc refroidir ma pièce. Alors, pour vous dire pourquoi on recuit, tout simplement pour casser la résistance du matériau. Une fois recuit, notre matériau est malléable et donc je n'ai plus le risque de casser la tête d'emboîture correspondant au diamètre que j'ai besoin. Donc je vais j'ouvre ma pince, je mets ma tête d'emboîture et on voit que quand je vais comprimer la pince, j'aurai le diamètre ici qui va augmenter. Je refais. Donc je viens maintenant la mettre. Donc j'ai plus besoin de l'étage puisque c'est refroidi. Je viens maintenant la mettre à l'intérieur du tube et j'ai plus qu'à pincer. Et maintenant, mon emboîture, elle est faite. Donc vous savez maintenant réaliser une emboîture sur un tube cuivre.